Télésignal vous propose Tendance Hebdo, l'actualité de la semaine passée en revue. Bonjour et respect à tout le monde, c'est avec même plaisir ensemble pour l'émission Tendance Hebdo. Tendance Hebdo, c'est une émission qui présente comment, avec divers invités, nous dialoguer, brasser l'idée sous actualité qui kembe scène politique, là, qui kembe la vie économique, là, la vie sociale, à l'autre encore, tout toujours faire débat dans l'émission sa tendance. Semaine ça, nous te recevoir plusieurs invités. Gauthier Bernard, qui est porte-parole Jeune Corée Jeune. Nous te recevoir candidate à la présidente Judy Sewa de Réparène. Nous te recevoir tout, Maître Aviol Fleurant, qui est leader parti Nouvelle Haïti avec lui. Nous te brasser l'idée et nous te parler question. Justice tout avec Maître Wando Saint-Villiers. Crête branchée après pause, non, nous parlons trop comment te dialoguer avec invité. Vous l'avez longtemps voulu, Télésignal vous l'offre aujourd'hui. Suivez tous les samedis à partir de 9h du soir, Box 56 sur la nouvelle dimension. Showtime, portraits, invités spéciaux et toutes les informations relatives à cette discipline sportive. Box 56, ne soyez pas en retard avec Jimmy Ménard. Nous tournons après pause là, merci en pile pour fidélité et attention placée dans l'émission Tendance Hebdo. Nous avons dialogué semaine ça avec Gauthier Bernard. Gauthier Bernard, c'est porte-parole Jeune Corée Jeune. Selon Gauthier Bernard, je dis, présence jeune dans la vie politique, montrer que jeunesse n'a pas gagné pour le peu. Dossier lieu, revendication lieu pour qu'elle prenne en compte. C'est pour ça que Gauthier Bernard a invité tout le monde à le voter jeune, puisque Jeune Corée Jeune gagne plusieurs candidats dans l'élection, notamment Gary Bodo. Gagner nécessité pour nous voter parce que dès vous pas voter, il a voté pour votre plan n'est pas obligatoire en Haïti. Mon son devoir citoyen et faut que jeune toute population comprenne l'élection ça déterminante décisive dans vie pays. Moi connais quand 9e législature a tellement décourageant pour le monde que population pas une culture pour aller voter dans l'élection législative et puis courir des élections présidentielles. Et là son élection côté courant va pas voir monde aller. C'est seulement nèg qui chance à la deuxième tour qui a un courant qui va le monter. Ça c'est là tout nèg gérer tête pour quoi. Pour dimanche. Très bien. Même parce que le parlement et c'est colonne vertébrale démocratie. Le parlement représente le peuple et ça dit population que 50e navette monde qui présenté là comme candidat pour le pire que 49e. Ça m'a d'accord avec moi m'avo et là n'a regardé panorama candidat qui gagne là dans 10 départements. Il y a en pile chance si moun yo fait un vote intelligent. On vote patriote, gagne pile chance pour nous on gros 50e législature avec des gens qui ont fait débat, avec des gens qui ont discuté, avec des gens qui pas le vendre dans mieux, avec des gens qui ont dignité. Gagne pile chance. Maintenant, essayez de mobiliser la population, parler avec vous pour faire des votes intelligents, votes de bonheur, mais pas votre idiot, pas votre de souffrance. Donc c'est ça pour nous attirer l'attention. Même je vais faire le jeudi, je vais faire une émission côté Wapmande, ouais. Par exemple, écoute, on peut qui voter des gens. Corrompus, des ignares, des idiots, des renégats pour diriger. Il n'est pas victime, des complices pour répéter auteur. Donc maintenant, faut que nous et nous comprenions que 1000 gouttes là, il ne peut pas changer la vie. Sinon, faire ou manger un bagage pendant la journée. Candidat qui a fait un cob, il ne peut pas changer la vie. Je ne peux pas dire, prends un cob blanc, mais là, il veut dire une an, voter changement, voter autrement. Ah, moi-même, j'ai un candidat d'Elma qui est le gars et Boudou. Monsieur candidat sous bouclier, numéro 10. Moi-même, pas dans bouclier. Je supporte un candidat qui est un bon candidat ou candidat ou supporter avec un bouclier, est-ce qu'il va mettre comme? Non, gars et Boudou, pas un cob. Question gars et Boudou, c'est mouvement gars et Boudou, député d'Elma. Ça veut dire que son mouvement, puis se passer 50-60 000 militants, accompagner gars et n'a fait porte à porte. Ça veut dire que gars et pas un cob, c'est tout militant candidat à travers gars. Donc, moi, continuer candidat à travers gars, ça veut dire que gars et pas un cob, coup de gars et jeune cob. C'est un véritable. Faisceau qui convergeait derrière Dougal qui fait n'a pas avancé comme ça. Qui va avoir une salle dans la rue, toute visibilité, ça, tout mouvement ça, qui fait aujourd'hui, nous c'est candidat, unique candidat d'Elma. Donc qui fait aujourd'hui son seul contrôle, son seul tour d'Elma. Bon, moi pour le candidat, il y a même maladie à prendre. Ça veut dire que j'ai l'impression que chaque candidat que je vois, bien, des partisans de candidat que je vois, candidat et même partisan, ou en a des gens qui tout gagnent. Écoute. Ça fait ça. On ne peut pas discuter sur l'évidence. Moi-même, je dis si je suis un candidat pas fort, je dis nous avons un téléphone. Non, mais c'est tout candidat net, oui. Tamara, écoute, Tamara.
Il y a des gens qui viennent là qui disent ah, déjà gagné, mais il faut aller pour essayer de gagner. Mais même les femmes. Mais ça, je ne comprends pas. Il y a des gens qui disent que tout le monde ne comprend pas. Ou pas comprendre le regard ou dire, pas monsieur dit le gagné, même pas ça, quatre ans. Par exemple, si je dis que tu as une belle lunette, mais là, on regarde, il faut que tu aies une belle lunette. Mais même si je dis que tu as gagné, n'importe qui là, capitaine de me la soeur, capitaine de demain matin, il y a après qu'effectivement, quand je dis que tu as gagné, tu as well gagné, vrai. C'est ça. C'est ça que la réalité de l'évidence. Pourquoi on a sondage à dire dans le deuxième tour? Ah bon? Sondage, ça dépend de qui est échantillon. 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 Ça dépend de qui est sondage pour la carte pour tout gagner. Puis moi, sondage pas me dire dans le deuxième tour. Ah ok, mais on pense que c'est dimanche et depuis 10h à Bomouison. Bon, sauf que. Résultat, pas sorti pas avant, date que conseil a dit. Mais bon, regardez ça avec vous. Je dis, nous, vraiment éparpillés, jeunes corrigeants, il y a de plusieurs monde qui l'a supporté à plusieurs niveaux, dans plusieurs circonscriptions électorales. Comment nous faisons? Est-ce que nous faisons des plateformes côté tout candidat, ça, jeunes corrigeants, nous réunir avec eux, nous parler avec eux, sous qui modèle parlementaire vous avez dans le 50e an? Et par exemple, majorité candidat jeunes corrigeants, nous avons des bagages qui vraiment intéressent. Nous, par exemple, les droits socio-économiques et culturels. Moun avant yo génération 86 ans yo té goumé pour liberté d'expression, d'association, droit civil et politique. Mais je dis à nous même fann goumé pour les droits socio-économiques et culturels. Fann permettre que les jeunes yo ka gen accessibilité à crédit. Si nous pas permettre ça je dis encourager initiative privée, entrepreneuriat juvénile, bagage ça aussi même qui fondamentalement que nous même nous croyons à tout candidat qui jeune corrigeant. Par exemple, je dis à Tamara, il pas possible que on moun bon petit projet, on étudiant les grands projets, le package de crédit, 2% de monde dans le pays, un cap de crédit dans le pays. Or, c'est comme un cobou, ils prennent ensemble, ils prêtent 2%. Je dis là, si on a besoin de faire un studio qui a coûté 250 000 gouttes, 500 000 gouttes, les cas jeunes, l'État a prêté ça, les cas jeunes comme là. Si on a besoin de faire un coiffeur qui a coûté 400 000 gouttes, ils prennent ça. Parce que plus on a un cobou dans le pays, ils sont payés par tente, ils peuvent mettre deux chaises, ils baillent. Ça veut dire que lui-même est capable de vivre, de permettre à l'autre monde de vivre. C'est ça pour encourager parce que je dis à l'État n'a pas capable tout le monde travail. Nous pas seulement rete parler sous question ça, nous te parler tout avec Judy Sewa qui quoi jodi an faut gagne une rupture qui fait avec système ça. Judy Sewa qui candidate pour une deuxième fois pour élection présidentielle, quoi jodi an pour mettre Haïti effectivement sous rail démocratie progrès tout bon, faut que suspend changer acteur. Mais ce système n'a pour changer. Pour ça, madame Wa préconise agriculture, li préconise tout question industrie à outrance. Judy Sewa. Il y a des gens qui sont dans la course là. Vous connaissez en pile? Non, il y a des gens qui sont dans la course là. C'est des gens qui viennent changer de métier. C'est des gens qui viennent chercher notoriété. C'est des gens qui viennent faire un combat qui est simple. Et qui arrivent dans un niveau dans la pyramide de Maslow. Qui dit bon, pour la dernière fois, il y a besoin de candidat à la présidence. Dans quelle catégorie vous êtes dans la cité? Moi-même, je suis un monde qui est engagé. Nous sommes des femmes qui toujours mettent au service du pays. Nous sommes des femmes qui toujours campent le pays en danger. Nous sommes des gens qui croient dans le pays, nous sommes des gens qui ramassent flambeaux, papa des salines, pour nettoyer le pays, pour réparer le pays. Je vais faire une mission. Et je ramasser une mission pour réhabiliter les rêves dans cette nuit, quitter, créer, construire une nation côté que ni moun pour clé, ni moun pour forcer, capable de vivre dans le bien-être et la prospérité. Et c'est ça que fait. Projet société nous en chita, sous base et politique économique Christophe. Hein? Par contre, si vous connaissez, on a parlé de ça l'autre fois, mais sous la vision des Saliniennes qui voulait créer une nation pour tout le monde capable de vivre dans le bien-être et la prospérité. Donc, c'est l'engagement ça que je prends à côté de la population. Hein? Et moi, je dis, je ne suis pas candidat à la présidence, je suis candidat pour changer le système. Son gros pari. Un président te dit, un candidat te dit, un président, je représente le changement. Il passe à côté de changement. Hein? Non, son slogan, pas oublié, de 2005. Un soir dit à la pour attends une seconde, de 2005 à 2010, l'élection ça a été faite. Nous avons un paquet d'affichettes dans tout le pays. Nous bouquons changer acteur, on change le système. Et le candidat ça a ramassé le slogan, ça le dit pour changer le système. Là. Mais mener pour l'œuvre à l'école, c'est une. Faire le chita C2. Pour changer le système, là, bon travail de préalable pour faire. Nous-mêmes, là, nous arrivons à dire nous changer le système, là, c'est parce que nous faisons un diagnostic. Pendant 10 ans, nous faisons tout le pays. Là. Nous faisons un diagnostic qui est 4016 pages, qui est consultable, donc capable de consulter, il est disponible. Et nous identifions force avec faiblesse pays. Là. Nous sortons des thèses. Nous disons, premièrement,
et mal développement pays d'Haïti est la somme, le mal développement du pays est la somme géométrique de nos manques de vision et de notre incapacité à faire des choix stratégiques. Donc nous définissons une vision et nous faisons des choix stratégiques. Choix stratégique que nous faisons, c'est justement créer des outils qui vous permettent nous faire développement et puis changer de paradigme. Mais bon, moi de ça, depuis que je regarde la question politique par bon ici, de 1990 à aujourd'hui, les gens qui souvent président pays, ce n'est pas des dirigeants de partis politiques. Ce n'est pas de chef de parti, si je suis capable de retirer les signes. C'est bien outsider. C'était toujours des gens qui viennent. Je dis, qui ça qui expliquait que la population peut faire choix? Des gens qui sont des dirigeants politiques qui, il y a de cela 50, ont clairement manifesté refus vis-à-vis de gens. Ça te dit que au Canada ou encore. Il y a un pile d'erreurs qui fait sous terrain. La population fait des choix insensés. Et les dirigeants politiques ont fait des erreurs. Là, ils ont même appuyé des choix insensés et ils ont gagné des positions anti-gens en débalancement. Ok, ou pas contre si à gauche, ou pas contre si à droite, ou pas contre si à droite et gauche. Gagné une série de partis politiques qui pas défini tête, ils n'ont pas gagné aucune vision, ils n'ont pas gagné aucune idéologie que ils défendent. Néglat ou dit c'est social-démocrate, mais elle n'a pas le même comportement extrême droite. Donc, population perdue. Nous-mêmes, nous disons nous sommes parti nationaliste. Ah, vous l'avez dit. Parti nationaliste. Qui idéologie, un parti nationaliste parti, non, nous-mêmes, nous avons un modèle qui c'est Jean-Jacques Dessalines. Mais ça, mon dernier moment, ça, moi, tout leader politique. C'est nous qui avons fait depuis 20 ans. Sauti dans Dessalines. Justement, c'est nous qui avons fait depuis 20 ans. C'est nous-mêmes, depuis notre fondation, nous dit. Nous sommes parti nationaliste qui inscrit vision, nous qui inscrit action, nous, dans la vision des Saliniennes. Nous pas dans le niveau idéal des Saliniennes, soit après dans la classe secondaire et tout. Nous avons un niveau, une vision, un leader qui te bat tête une mission, un leader qui te font un dépassement de tête. Des Salines savait qu'il allait mourir dans l'Ouest. Il dit, mais si c'est ça pour qu'une nation vit prêt. Son monde qui baille tête, c'était Christ, Dessalines. Il baille tête, il connaît le mourir, il marchait au devant de la mort pour sauver l'unité de la nation. Nous allons proposer l'un tourner, nous allons montrer comment tu as dialogué avec Aviol Florent Sementa et Maître Wando Saint-Villiers, qui est président de l'Association professionnelle de magistrats. Tous les samedis, à 8h du soir, la rédaction de Télésignal vous livre un résumé complet de l'actualité de la semaine en 56 minutes. L'info autrement, c'est dans 56 minutes synthèse sur Télésignal. Samedi, 8h du soir et reprise dimanche à 10h du matin. Nous tournons après pause dans l'émission Tendance Hebdo, deuxième partie. Nous avons dialogué cette semaine ça avec Maître Aviol Florent. Maître Aviol Florent, c'est candidat à la présidence. Lui, c'est également leader parti Nouvelle Haïti. Nouvelle Haïti a voulu en participation pour tout le monde avec intégration de la jeunesse. C'est pour ça Maître Aviol Florent présente tête lui comme un monde qui voulait servir le pays. Ça, Aviol Florent. La Nouvelle Haïti, c'est un mouvement, un courant de pensée qui inscrit dans la justice sociale, qui inscrit dans le relèvement des masses haïtiennes. La Nouvelle Haïti, nous voulons dire, nous voulons un pays qui nous chita sous les épaules, sous gouvernance correcte. Un pays qui nous chita sous état de droit. Un pays qui nous chita sous intégration femmes, handicapées, et tout le monde dans la ronde badet, paysans, diaspora, dans la vie économique et la vie politique de l'État. Ça explique que je dis, dans le concept Nouvelle Haïti, ça a des gens qui ont relé qui quittent le concept Nouvelle Haïti. Si je suis capable de citer le cas de Dali Valek à les jeunes petites Dessalines, bon, Ricardo Augustin, je ne vais pas compter, puisque je dis, c'est conseil électoral. Est-ce que l'autre deux personnes, bon, trois personnalités qu'on citait toujours avant dans le concept là? Jean-Monard Mettelus s'est toujours ferme au poste. Je suis capable de dire que Gédé Moun, c'est des incompatibilités. Si on prend le cas de Ricardo Augustin, éthique oblige, les fondateurs Nouvelle Haïti, mais vu qu'il est appelé, choisi par l'Église catholique pour aller au conseil électoral provisoire, eh bien, éthique oblige, il n'y a pas la donne encore. Okay. Mais ça ne veut pas dire que ça retirait un statut de fondateur. Dali Valek, qui c'est un frère que je remets en pile et que m'a toujours aimé, et qui c'est Zamim que m'a toujours Zamil, c'est un choix politique. Dali Valek a décidé d'aller rejoindre Petite Dessalines. C'est un choix. Moi, j'attends qu'il revienne. Et je sais qu'il reviendra. Parce que Dali est mon frère. Parce que nous allons entendre nous sous qui est-ce qu'il va représenter concept là à la présidence. Bon, je peux vous dire que
Moi-même, j'ai été choisi par tous les jeunes à travers le pays. Okay. J'ai été choisi par pétition par... ou par... Et par consensus. Je suis choisi par le board. Ils ont estimé que y a Aviol Fleurant qui a inscrit de la rupture. Y a Aviol Fleurant et il transcendait tout clivage. Parce que je peux vous dire, moi, c'est yon peut-être non rare monde. Il y a un problème au niveau d'un tel extrême politique. Et puis, Mounsari l'a demandé mon consultation, je n'ai pas fait personnalité. Et puis, dans l'extrême droite, même Mounsari l'aime pour demander mon consultation parce que le connaît que je n'ai pas fait. On a l'autre exemple clair en termes de Aviol Fleurant transcendant. Sauveur Pierre-Étienne, président de l'OPL, qui est candidat à la présidence pour l'OPL aujourd'hui. Mais Sauveur Pierre-Étienne, c'est mon cabinet qui a préparé avec Maître Michel-Ange Assé, qui préparait toute pièce. Sauveur Pierre-Étienne pour l'inscrire dans CEP1. Si Sauveur Pierre-Étienne ne connaît pas que Aviol Fleurant a une certaine éthique, ce n'est pas un membre de cabinet, bien entendu, qui est membre OPL, qui était prêt à même préparer papier Sauveur Pierre-Étienne. Éthique oblige, on est en train de travailler pour la République. Nous avons tous les jeunes à travers le pays avec nous. Nous avons beaucoup d'universitaires avec nous, des agronomes professionnels, des ingénieurs, des médecins. Nous avons un pile monde avec nous et nous avons un pile monde qui a prié pour nous, notamment catholiques, protestants et les vaudouisants également, qui sont à l'origine de la fondation de cet État. Et croyez-moi, en tant que militant des droits de l'homme, ils sont bienvenus dans la Nouvelle-Haïti, car la Nouvelle-Haïti appartient à tout le monde. Intéressant. Mais pas moi de ça, M. Fleurant. Est-ce qu'on sent les jeunes comprendre le concept Nouvelle-Haïti, hein? L'on considère aujourd'hui que les jeunes nous gagnent, ils ne pas trop intéressés avec la question politique. Ça cap dit dans la radio, yo, ou bien, vu que les gens qui passaient déjà au comet fait jeunes plus et web programme, plus web plaisir, ils ne pas tellement intéressés avec la vie politique. Lorsqu'on est dans l'université, par exemple, est-ce qu'ils ne pas harcelés avec la question pour demander au concept ça, ça lié et qui sont expliqués? Les membres de l'université n'ont pas posé une question ça. Parce que c'est universitaires avec nous qui créent. Ce sont les universitaires avec nous, les élèves de philo avec nous. C'est nous t'ai fait le tour du pays, Aviol Fleurant, Dali Valère, Ricardo Augustin, Fritz Dorvilliers et un tas de gens. Nous t'ai marché à travers le pays, aller partout Haïti, dans tous les départements, dans toutes les communes, sections communales, nous rencontrer tout le monde, n'al prêcher la nouvelle. Non, mais on a quoi, on commence à embarquer, on commence à poser des questions. Absolument. Voilà. Parce que, l'ami, oui. Ah ben d'accord. Eh bien, la nouvelle Haïti, c'est. Nous inscrivons dans la rupture. On ne veut pas de cet Haïti-là. Haïti ça, côté exclusion. Haïti ça, côté y a divisé pays en deux camps, petite Dessaline, petite Pétion. Haïti ça, côté y a mettez dehors paysans. Haïti ça, côté sous table dialogue là. Nous pas les protestants chita, nous pas les catholiques chita, nous pas les vaudouisants chita. Haïti ça, côté, nous besoin de cop diaspora, mais nous mettez le dehors, nous ne pouvons pas participer dans la vie politique pays. Haïti ça, qui est corrompu de la tête jusqu'au pied. Haïti ça, côté, au gay, 53 l'autre candidat à la présidence, qui inscrit dans le même système qui a crasé le pays. Nous parlons. Qui t'a doué position la justice, juge ou par que tu es, surtout les contextes politiques, le chauffé, le gay élection. Pour ça mettre un dossier vélé quoi aujourd'hui, il faut que tout le monde qui travaille dans le système la justice ne gagne un comportement impartial. C'est pour ça l'inviter tout le monde respecter code d'éthique, l'inviter tout profiter des ministères de la justice et sécurité publique pour retourner sous décision le prend côté l'irrévoqué un substitut commissaire du gouvernement, M. Paul Ewans Villard, qui c'est une d'après magistrat Saint-Villier parmi substitut qui pi productif, notre tribunal de première instance de Port-au-Prince, Wando Saint-Villier. Ce que je dis à tous les collègues, c'est que vous avez pour devoir, pour cultiver, ça relève la vertu de distance qui impliquait impartialité, qui impliquait la caillou, on devoir pour que vous agissez comme magistrat et de manière loyale. Donc de là, et les gens qui vraiment impliqué dans un jour élection, c'est d'abord le juge des pays, mais en quelque sorte tout commissaire du gouvernement. Parce que nous connaissons très bien qu'il y a une symbiose qui gagne entre commissaire du gouvernement et juge des pays. Et pour ça concerner tout cas d'infraction, c'est que les commissaires du gouvernement, ils sont censés, pas censés, mais en quelque sorte, ils sont sous tête et juge des pays. Et là, c'est que ce jour-là, donc, je vais payer au gagnant pour jouer en partition, que ce soit en termes de constat par rapport avec tout cas de désordre ou bien de fraude qui est à cap gagner. Donc, je pense que je dois agir avec impartialité,
yo doit comporter yo comme magistrat. Et de telle sorte que si il y a un candidat qui estime qu'il y a un problème quelque part et il fait réquisition à un juge de paix, bien faut que le juge de paix soit capable de déplacer. Il n'y a pas besoin qu'on ait qui couleur politique, donc sur qui parti politique que mon zaye, mais il suffit que il fait réquisition et qu'il y a nécessité, le ministère juge de paix a forcé et il y a pour devoir pour lui agir. Et sauf problème qu'on estime capable de gagner, et c'est par rapport avec le nombre de centres de vote et quantité de juge de paix qui est disponible. Parce que il y a des zones et dans pays qui ont gagné 3 juges de paix, 4 juges de paix, gagné tout, c'est 2 ou bien un seul. Mm-hmm. Maintenant, si on a une zone comme ça, qui gagne 12 sections communales et puis une quantité de centres de vote, mm-hmm. à ce moment-là, la difficile, c'est en même temps, ils ont demandé pour que le juge de paix puisse déplacer. Simultanément. On comprend, donc on ne peut pas déplacer en même temps et pour aller tout de côté en même temps parce que le juge n'est pas omniprésent. Donc là, il est matériellement capable de difficulté ça. Mm-hmm. Mais au-delà de difficulté matérielle ça, c'est que magistrat li gagne pour que li connaît l'observer au nom de la République et li pas observer un pouvoir ou du moins sur un secteur politique qui capable soit dans opposition à pouvoir ou bien qui fait alliance avec pouvoir là, c'est pas ça qui doit intéresser lui et c'est doué avant tout et travailler service li comme et magistrat. Et nous connaît très bien que la justice est gagné comme grand principe qui gouverne le principe d'égalité. Principe d'égalité de telle sorte que tout le monde, tout justiciable, tout le monde qui a besoin de la justice, il doit traiter de la même manière. Ce n'est pas parce que c'est tel candidat qui est dans tel parti politique, il a le droit pour que le juge de paix a déféré en réquisition et puis tel autre parti, non. Non. Si un juge agit comme ça, donc il viole un principe qui est le principe d'égalité. Et il y a tout principe de neutralité, en ce sens que le juge n'a pas le positionner à gauche ou bien à droite. Donc il doit faire travailler en honnête en nette impartialité. Et puis il y a tout et devoir de légalité, un juge de paix pendant une période sale, pas de procéder à l'arrestation d'un monde de manière illégale, il faut le garder pour loin. Est-ce que et ça doit être fait suivant les normes? Et si pas de principe de droit qui est violé, si la loi n'a pas bon pouvoir, ça, ou pas de droit arrêter personne. Dans est-ce que pendant la période électorale, nous-mêmes, l'association, nous parlons avec les membres sous question ça? Donc, nous avons des membres qui jugent des pères, donc, ce n'est pas seulement la période électorale. Il y a un privilège, on est capable de dire. Est-ce que c'est privilège, mais quand même, il y a un avantage que nous gagnons, c'est que nous avons ensemble d'idées à prôner dans l'association. Si ça fait, si nous prenons un magistrat pour les 11 villes, nous n'avons pas du mal pour que nous défendions, parce que nous connaissons un magistrat qui est correct. Et bien, même gentil pour chaque membre, nous connaissons, nous avons une ligne. Et yo doit rester dans ligne et nous toujours dit auto si yo écarté au des lignes c'est sûr que nous pas va le défendre parce que nous pas va le défendre monde qui est pas correct, nous pas va le défendre monde qui pas respecté principe suivant tant que principe qui gouvernait magistrature là et ta monde là comme magistrat. Donc nous fait appel non seulement à juge de paix mais nous fait appel toi commissaire du gouvernement yo qui pas doué par exemple par son ordre en juge de paix pour le pas déplacer parce que c'est tel les candidats qui ont besoin. Ou du moins, c'est que le commissaire doit éviter et faire des injonctions, mais qui est illégal avec des juges de paix. Donc, parce que par-dessus tout, il est vrai que j'ai une obligation de réserve pour que je ne parle pas trop parler d'élection, même qu'à parler sur l'aspect ça. Mm-hmm. Mais par-dessus tout, nous, c'est des citoyens et des citoyennes et haïtiens, haïtiennes qui, en d'un pays, en tant que magistrat, soit comme juge ou bien comme commissaire du gouvernement, je pense que ce soit, c'est arrivé à une société qui a bien fonctionné. Et lorsque la société a fonctionné bien, eh bien tout le monde qui la donne peut jouir de ça. Mais si une société qui est fragile, eh bien n'importe qui a frappé par fragilité société. Donc, je pense que les magistrats doivent comprendre ça. Ils doivent mettre en poids comme magistrat. Et je ne peux pas souhaiter qu'après l'élection, il y ait un candidat qui est obligé à plaindre les victimes de comportements d'un juge de paix ou bien d'un commissaire du gouvernement. Qui t'a montré les partiels, qui t'a appuyé un candidat qui est dans un bord ou bien dans l'autre. Intéressant. Mais après, nous donnons l'intervalle qu'il y a des juges qui ont mandat au fini pour qu'on renouvelle dans cas association des membres qui victimes de ça la justice. Non, non. Présentement, non. Mais remarquez bien, l'association a pour mission pour le défendre d'abord ses membres, mais en même temps tout pour le défendre tout l'autre magistrat. Okay. Donc là, c'est ça que fait. Dans plusieurs interventions, nous faisons, nous demander à ce que CSPG est capable de faire diligence pour permettre à ce qu'il est capable d'acheminer liste de magistrats qui méritaient renouveler
à ministère de la justice qui lui-même servit de courroie de transmission qui transmet l'ISAO à président de la République là pour renouvellement de mandat. Remarquez bien, nous dit qui mérite renouveler parce que nous pensons que nous avons une magistrature qui saine. Si il y a des magistrats qui ne peuvent pas comporter le bien pendant le mandat là, donc soit par incompétence liée, ou du moins c'est l'idée il y a un magistrat qui a agi dans l'illégalité, donc je ne crois pas que nous ne pouvons pas défendre le monde comme ça. Mm-hmm. Mais tout magistrat qui a démontré qu'il était loyal, qu'il était correct, qu'il était respecté et tout principe d'éthique et de déontologie, il faudrait que CSPJ fasse le nécessaire. Et au niveau de l'exécutif, il y a un pour devoir pour que il renouvelle le mandat à Mounsayo. Parce que si on a construit justice, on a construit institution, il y a un monde qui fait travailler bien, donc il n'y a pas de droit à souffrir pour question de renouvellement de mandat. Et ça fait, à partir de nouvelles législatures, là, actuellement, on a réfléchi pour nous voir comment on est capable de proposer une nouvelle législature, là, pour une modification de projet de loi sur le statut de la magistrature, là. Mm-hmm. Économie, sociale, politique, tout toujours fait débat dans l'émission Tendance. Nous casser rendez-vous à coup, semaine prochaine pour une autre émission Tendance Hebdo, même genre. Pas oublier pendant semaine, nan, émission Tendance, 7h tapant sur Télésignal. Bon week-end tout le monde, à bientôt.